Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel article sur le magazine Trail Session. Bienvenue dans le massif des Alpilles où j'ai pu terminer le protocole test en cours. Et dans ce cadre magnifique avec un soleil éreintant, il fallait avoir un bon équipement pour pouvoir apprécier les sorties de run, même le matin où il avoisinait déjà les 25 degrés. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a les cigales qui chantent et il y a le vent qui souffle. Mais voilà, donc l'ensemble que je vous présente ici, c'est un ensemble de la marque La Sportiva. Et on est dans la saison printemps-été 2023. Donc un ensemble haut en couleur avec des couleurs qui dénotent un petit peu avec ce qu'avait l'habitude de nous présenter La Sportiva avec ses couleurs jaunes et rouges, les couleurs emblématiques de la marque. En tout cas, La Sportiva, est encore là en 2023. C'est un des précurseurs des sports de montagne. Et moi je suis ravi de pouvoir tester cette marque que j'avais eu plaisir de la tester déjà dans le magazine auparavant. L'ensemble que je vous présente fait partie de la gamme Trail Running et elle est faite pour de la longue distance, notamment avec ce short et cuissard intégré. Même si moi je suis pas un grand adorateur de shorts avec cuissard intégré, je préfère les shorts type athlétisme, mais je dois avouer que le short et cuissard, surtout sur du long, ça limite les frottements et le short que j'ai eu aujourd'hui là, que je vous présente aujourd'hui, il est vraiment très très agréable. Voilà, il est très léger, il n'y a aucune irritation, aucune couture gênante, et donc c'est vraiment très agréable à porter. Le t-shirt associé est un t-shirt assez ample, assez stretch, donc il s'étire. Il laisse une liberté de mouvement aux coureurs et il est en plusieurs constructions, notamment ici au niveau des aisselles, une construction en nid d'abeille qui permet en fait de favoriser la thermorégulation. Et ici là sur l'ensemble du corps, il y a des micro-perforations et avec un textile qui est très doux et très agréable. Voilà ce que j'ai pu en dire. Et pour couronner le coup, j'ai envie de dire, couronner tout, on a une veste compressible qui au départ je pensais était une veste coupe-vent tellement elle est légère. Mais en fait c'est une veste 4 saisons puisqu'elle permet d'avoir d'être étanche à 20 000 Schmeber qui la rend compatible largement pour tous les ultra-trails. Donc après c'est une veste qui est assez minimaliste, il n'y aura pas de poche, il y a juste un zip et des liens de serrage au niveau des hanches et à la capuche. Voilà, une veste très très simple, sans artifice, mais qui fait le job. Alors je n'ai pas testé forcément dans le massif, puisqu'il a fait beau pendant tout mon séjour, mais avec les orages d'été qu'on a eu fin juin, j'ai pu la tester et elle protège très très bien de la pluie. Je vous le garantis. Elle possède également quelques éléments intéressants, notamment sous les aisselles, pour favoriser l'aération à ce niveau-là, même si c'est quand même assez léger. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet ensemble de trail running de la marque La Sportiva. Je vous invite à lire l'article qui a un lien ci-dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le magazine Trail Session. Moi, je retourne à mes occupations et je vous dis à bientôt.